Par contre, étant donné que ça fait très longtemps que je joue, trop longtemps que je joue, je vais faire une petite pause quand même. Donc je vais lancer le jeu. Voilà, je vais lancer Rome Station. Je vais chercher la Rome. Et puis. Alors, les jeux. Resident Evil. Tac. Oui, s'il vous plaît. On se met en full screen, vous entendez du porno pour les oreilles là. Je me mets en starting soon, puis je reviens là. Puis là, il prend le jeu. Et c'est magie. Voilà! Je vais faire une petite pause, je vous laisse. A tout de suite. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. No, I haven't found it yet. Bon, alors voilà. Alpha Team is flying around the forest zone. On va pouvoir jouer des... Monsieur Redfield. Oh, ça va faire du bien de plus jouer à Dark Souls là pendant un petit moment. Je comptais faire Dark Souls 2 et c'est là, mais je crois que ça va aller se gratter. Hein. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris!
was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. I don't know what happened. Barry! Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? Don't go! No! Non, c'est toi qui écoute. Okay, Jill and I will stay in the hall devant, in case of an emergency. Il a un pseudo de sortie de la guerre des clans, il croit qu'il est pas cute. Chris? Take care. Take care. C'est mieux qu'il ait rien dit, voilà. En fait, des fois, dans les vieux jeux comme ça, quand il y a un changement de plan, caméra et tout, il y a un petit moment un peu cringe. Ouais. Où il y a un blanc. C'est un peu malvenu, on va dire. Voilà, c'est bon. Oh, mon micro y est tombé. Hein, c'est bon. Ah ouais, je me souviens maintenant. Et c'est un peu le mode difficile au début. Mais après, ça devient vite le mode normal. Hop, je prends ça, merci. Tac. Petite cinématique. Je pense que ça c'est la cinématique la plus cool de tous les Resident Evil. Attention, c'est un peu gore. Il y a des pépites en doublage. Alors, avant les zombies, j'arrivais à les faire sans prendre de dégâts. Au couteau. No ken.
Ah, je lui ai coupé le bras. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, dégage. Non, 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 non. Je savais pas qu'on pouvait leur couper le bras. Mais il manque un bras! Chris! Un effort. Oh. C'est bon, il est mort. Ils sont moins résistants que dans mon souvenir. Merde. Allez, je crois. J'ai loupé des balles. Hop. C'est Kenneth, de l'équipe Bravo Stars. Il y a des pépites. Chris commence avec un couteau, deux places d'inventaire en moins. En moins? Oh ouais, putain. Ouais, donc c'est le mode difficile, quoi. Putain, je galérais déjà avec l'inventaire de Jill. Mais il a quoi en plus, alors? C'est dégueulasse. Par là-bas. Bah là, pour le coup, il y a moyen que je m'amuse à tuer tous les zombies, juste pour avoir la paix. Ah, ouais, il y a le briquet, c'est vrai. Wesker? Jill? Briquet que je n'ai par ailleurs jamais trouvé avec le... avec Ridge, là. Ah, le gun. What happened to Jill and Wesker? What happened to Jill and Wesker? Eh ben, prends-le. En fait, c'est stylé le Beretta dans ce... dans celui-là. Il y a des trucs, tu vois, ils ont changé les modèles dans Resident Evil 2. Je trouve ça dommage. Il y a des trucs que j'ai jamais compris, genre pourquoi est-ce qu'ils ont mis des balles, des boîtes de balles par exemple dans Resident Evil 2 au lieu des munitions, pourquoi est-ce qu'ils ont changé le modèle du flingue alors que franchement il était bien. Ne réveille pas s'il te plaît. Juste besoin de ça. Voilà, on va se coucher. Alors, dans mon souvenir, lui, il se réveillait, puis il te pourchassait jusque-là. Je sais pas pourquoi. Oh! Je me souviens. J'ai un flashback. Dans Code Veronica, il y a exactement la même salle. Je sais pas pourquoi ça me revient, là, d'accord. Genre, la même salle... Vraiment la même salle, quoi. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient remis la même salle. Comment ça s'est fermé? Oh merde. J'attendais à combattre des dogos, moi. Et pas le même marché. D'accord. Ouais, donc il était un peu en manque d'inspiration, là, quand même. C'est pas une excuse pour utiliser des assets, hein. Moi, je dis... Voilà. J'aimerais bien... fermer, c'est ouvert. Je vais essayer de me dé... Ah bon? Genre... Viens, casse-toi, dégage, tu pues. Mais la maison des beggars, c'est pas juste une maison toute nulle? Ah.
Moi je pensais que la maison des Baker c'était juste une espèce de cabane en bois un peu bizarre. Hein. Attends, je te dis après, je suis concentré. Vas-y, approche-toi. C'est chiant là. Des purées de... Je crois qu'il est mort. Voilà. Mais je crois que je suis mort moi aussi. Non, c'est bon. Alors, oui, mais il y a des endroits avec des clés bizarres et des puzzles. Ouais, mais le mec, il est quand même passé de... Je fais un manoir. Ah, je fais un manoir dans un centre... Un centre de recherche pour zombies. Ah, je fais une maison toute nue dans les bois. C'est un peu un downfall pas très ouf, quoi. J'ai pas joué. J'ai vu... Rêve ! J'ai vu un let's play, mais j'ai pas joué. Mais je vais jouer, du coup. Mais putain ! C'est pas facile. C'est pas du healing, si. Ouais, je sais qu'elle est pas si petite. Elle est même... Les bikers, ils sont même super riches. Parce qu'ils ont quand même une maison. Avec un étage. Avec une cave. Avec une espèce d'entrepôt. Ils ont une deuxième maison un peu bizarre où il y a, tu sais, le... C'est le fils de... Voilà. Où il y a la madame qui a la touche en insecte, là. Ils ont une deuxième maison là-bas. Ça se déverrouille, ça, ou pas? Non, c'est fermé de... Ah, fermé de l'intérieur, ça passe. Après, ils ont quoi? Ils ont tout un territoire un peu... Un bayou, là, voilà. C'est leur propriété, je pense. Donc au final, les bakers, ça vit comme des pecnos au fond de la machin, mais ils ont du pognon, les gars. Bon, ça, on l'a déjà lu. Je vais pas lire les trucs qu'on a déjà lu. Hein. Open, tes amis. Oh merde. Attends. Ouais. Vaut mieux que je descende vite. Ah, c'est con ça, hein. Ah, c'est con. Merde. Merde. Ah, c'est con. Ah, j'ai l'air con, là. Là, c'est moi qui ai pas l'air très... Alors toi, sache que tu vas te prendre des balles parce que j'ai pas la place pour te cheese. 2, 3, 4, 5. Mais il t'en fout combien? Il est pas mort en plus. Maintenant. Voilà, je devrais. C'est bon. Lâche le nombre de balles. La vraie question. Est-ce qu'il y a une différence de résistance entre les zombies qu'on a vu là, les nuls? Ça. Oh, donne-moi ça. Et les zombies verts. Les zombies rouges et les zombies verts. Allez, on va se garder. D'accord, ils ont la même vie, les mêmes stats et tout. Alors pourquoi ils ont fait des machins différents? Pour la variété des skins, bah bravo. Deux. Et... Voilà.
On va dire qu'il y a eu un effort de fait. Franchement, on va dire qu'il y a eu un effort de fait. Qu'est-ce que je veux faire, moi? Alors, moi, j'aimerais, si le jeu le permet, me débarrasser des deux qui sont là-haut. Ou au moins de un, et pouvoir chase vers l'autre au pistolet. Au couteau. Là, on va monter. Hip. Là, comme ça, je réfléchis. Ce qui m'arrive pas souvent, on va pas se mentir. Et je me dis, en ayant tué 3-4 zombies au couteau, le reste ça devrait passer. 1, 2, 3, 4. On profite. Un peu. Ah, il m'a dégueulé dessus, c'est dégoûtant. T'es mort, t'es mort. Oh. Ah, il est tombé. Si tu voulais bien reculer un petit peu. Arrête, c'est dégoûtant. Mais tu meurs pas? Genre tu meurs pas. Mais t'as combien de PV, frérot? Merde, je me dégueule dessus en boucle. Quand même. Non mais, il était tank de ouf ce monstre, on est d'accord. Il n'y en a pas. Ça va au bout. Bravo. Un. Trois. Quatre. Des coups de couteau gratos. Et... Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Mais non, ils ont jamais vu un dragon. Comment ça va, plus? On l'a fait, plus! Dark Souls 1, SL1, merci pour le follow. On l'a terminé, enfin. J'ai réussi. J'ai chié ma race, mais j'ai réussi. Du coup, là, on se détend un peu, hein. Comment ça va? Non, je fais pas Resident Evil. Non, c'est bon, les challenges, on arrête. On arrête tout, je veux plus. Je prends une pause. Déjà là, c'est quand? Là, vu que j'ai terminé... attention. J'ai combattu des milliers de crabes. Bah, est-ce que tu les as récupérés pour te faire à manger au moins? Perso, j'aime pas les fruits de mer, mais... passer. Non, là on fait Resident Evil 1, on a fait Jill la dernière fois, maintenant on fait Chris. Le jeu a crasse à part genre des mammouths et des crabes de fou pour tout. Bah bravo. Ils ont crash ton jeu. Et ton beat, ça va mieux? Ah, tout dans ma gueule. Ça fait un peu mal. Hein. Non, 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 c'est bon, il n'y a plus de crowd. En plus, il n'est pas disponible sur Resident Evil 1. C'est bon, c'est bon. J'ai dit, on arrête les challenges et tout, là. Et... J'aimerais jouer de manière paisible. Mais il est pas sur Resident Evil 1. Il n'y est pas. Je peux pas. Non, par contre, demain, ou plutôt au prochain live ou quoi. Salut Veldar, d'ailleurs. Bienvenue sur le stream. On va jouer à Hollow Knight. Je vais prendre Hollow Knight bientôt. Très bientôt. Très très bientôt. Oui.
Bah, du coup, pas pour ma première run. Mais si le jeu me plaît, peut-être pour une deuxième. C'est fermé partout, je peux aller nulle part. Non, pour une première run, je vais jouer normal, je vais faire attention. Voilà. Et s'il me plaît, on fera une run avec du crowd control. Est-ce que c'est ouvert par là? Le Resident Evil Knife Only. Avec le tyran, ça doit être un... Oh! Attendez, là j'ai vu un truc. Oh, c'est la clé de mon cœur. Paix et ni radiance. Boss modé, mais ne jamais être battu. Quoi? J'ai dit, on va se calmer sur les... C'est Forest! Il a été attaqué par des corbeaux. Bon, les corbeaux, c'est pas... Hein. Ramasse ça, toi. Écoute. Déjà, je cherche des... Vas-y, appelle à la communauté à plus, là. Je cherche des gens pour jouer contre moi en bingo sur Elden Ring. D'ailleurs, il va falloir que tu l'achètes, Elden Ring. Il reste en lurk. Et bah, mon lurk, et merci d'être passé. J'ai pas le jeu et pas la thune pour. Ah. En vrai, le jeu, vu que je vais faire le... Comment ? Vu que je vais être sur mon marathon Resident Evil, je peux te passer sur mon compte. Ça, c'est quelque chose à voir. Oh non, les zombies ! Attends. La première fois, j'avais réussi à les gérer. Ouais, mais Jiku, c'est pas moi. Tu vois. Regarde, vous avez la tête dure, monsieur. J'écoute, c'est pas moi. On se cherche. Moi, j'ai, tu vois, même pour le crowd control, j'étais chaud à essayer de te faire passer en chaîne secondaire. Mais le crowd control veut pas. Il est encore vivant, hein. Il est plus vivant. Vous êtes mort. Ouais, il est mort. Toi. Ouais, c'est que toi, je suis pas obligé de te tuer. J'aimerais bien que tu bouges un peu. Que ça passe si je te mets des coups de couteau. Ouais. À travers la statue. Je veux que tu meurs. Ah bah, en vrai, faut voir. Parce que déjà, il me semble que je devais le passer à Rezlin pour qu'il joue. Voilà. Il est encore vivant. Faut combien de coups de couteau, monsieur? D'ailleurs, Flo et Givron, là, je vous attends. Je vous attends au détour d'un Elden Ring. En vrai, j'ai proposé à Givron. Oh, il m'a dit que c'était sympa. Et en vrai, j'ai économisé pas mal de balles, là. Je sais pas combien j'en ai tué à coups de couteau. Pour un bingo. C'est bien les bingo. J'ai proposé un Givro, il m'a dit c'est sympa. Le problème c'est que Givro, comme il est canadien, au niveau des horaires c'est un peu compliqué. Un, deux, trois, quatre. J'ai pas le temps. Clairement j'ai pas le temps. Je lui ai fait péter son bras avec une balle. Ça c'est pas mal. Ok. C'est pas qu'il complète un bingo. Alors déjà ça se joue en... Ah non, ça peut jouer à 3. Il y a deux modes de jeu. Le premier c'est un 1v1. Avec des cases... Avec des cases que... Qui sont lock. C'est-à-dire que quand quelqu'un en prend une, tu peux pas la prendre. Et c'est celui qui fait soit une diagonale, soit une ligne, soit une rangée. Enfin voilà. Soit qu'il y a de la majorité. Donc très objectif. Soit on le fait à plusieurs, et dans ces cas-là, c'est celui qui a la majorité. Non, c'est celui qui a fini en premier son carton. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut un arbitre. Voilà, donc 600...
Moi, niveau arbitrage, vu que je suis en stream, c'est pas compliqué, tu vois. Et en vrai, je... À la rigueur, si c'est... Ouais, si c'est Givro ou bien si c'est toi, je peux encore faire confiance. Mais quand j'appelle des gens sur le Discord ou quoi pour venir jouer, je préfère avoir l'arbitre. On sait jamais. Y a-t-il fait que... Ah, dans ma gueule. I didn't mean to do that. Oh, oh no! You must be from the Bravo team. Alors, t'as pas l'air de venir de te faire poivrer la gueule. Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Sinon, mademoiselle Rebecca, est-ce que vous pourriez me parler de Billy Cohen, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, j'étais en train de dire quoi, moi? Je sais plus. Des conneries, sans doute. On parlait du bingo, ouais. Bah, le problème avec le bingo, c'est que certes, on va le faire en randomizer. Déjà, si on fait pas en randomizer, vous êtes dans la merde par rapport à moi. Et même en randomizer, c'est mieux que t'aies fini le jeu en entier un bon coup plutôt que. I wonder if everybody is. Et même le plus et le raisin, je les attends pour un bingo. Parce que tu vois, il y a aussi les bingos sur Dark Souls 1 et Dark Souls 3, Dark Souls 2. Mais ils sont moins bien. Mais après, on va regarder si vous voulez. Pour l'instant, on fait du Resident Evil à la fin du stream, on regardera vite fait. Vite fait. Alors. Ah, oula, j'ai plus de sauvegarde, moi. Ça, je vais le garder avec moi. Elle va me servir. Elle va me servir. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Bah écoute. All right, let's do it. Yes, sir. I'll do my best. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Bah merci. Ça aurait pu m'éviter de gaspiller des balles, mais elle a pas voulu. Yeah. 4, 5. Non, bah toi, j'ai pas envie de te tuer, tu sers à rien. Celui qui a plus de bras. Allez, s'il te plaît, non. Je te cache. Ouais, je sais ça, mais. Genre, c'est chaud de te dire. Ouais, viens, mais plus tard. Ah, fais chier. Bon. Lâchez-moi, vous êtes trop nombreux. Se les faire. Même si toi, t'es censé mourir plus vite que les autres, par contre. Ouais, c'est bien, trop bien. Il y en a un de mort encore. C'est bon, ils sont tous morts? Toi aussi, là? Bon, j'avais pas prévu de tous les fumer, mais... Oh, j'ai plus de balles.
J'ai plus de balles. On dira, si j'ai plus de balles, ça fait une place dans l'inventaire. Bon. Oh bien. J'avais pas prévu qu'il y en ait un là-bas. Bon allez, vas-y. J'aimerais voir sur quoi je tire. Déjà ? Attends, lui il est déjà mort. Oh, alors toi tu fais semblant de ouf. Merde. Ok. Je suis en attention. C'est tentant de reprendre un anonyme, mais bon. Bon, par contre, hein. Désolé, mais. Ça me fera une place. Vas-y, avance. Mais j'ai voulu reculer! Vu qu'il y a des problèmes de profondeur, j'essaie de me repérer avec les ombres, mais c'est pas facile. Il va me tuer, hein. Allez. J'ai compris l'histoire. Je peux tomber ? Voilà. Ah bah merci, t'es mort. Ah, enfin. Elle sert. Je vais avoir la petite clé qui va servir aussi ou pas. Ça me ferait une place en plus, je dis pas non. Ah d'accord, c'est ici. Bougez pas, je fais un petit truc à côté. Hop, on actualise. Alors une. Ok. Tac. Tac. Qu'est-ce que tu fais? Oui, prends-le. Ça m'emmerde. Mais c'est pas grave, prends-le. Ça, on l'a déjà lu. Je le mets au coin du lit, normalement, il va galérer. Bien comment la musique elle le balance. Il fait semblant. Il est encore là, je suis encore là, il fait semblant. Le crois pas. Allez, journal du gardien, on l'a déjà lu dans l'autre partie. C'est le monsieur qui aime bien manger de la nourriture pour chien. Ensuite. Alors ce qui est bien, c'est que je crois que j'ai fait tous les zombies du manoir là. Je me suis débarrassé de tout quasiment. Je vais pouvoir me balader un peu plus librement. Je vais aller voir là-bas, c'est la porte qui était fermée. Voilà. Je vais pas y rentrer tout de suite, mais ça va me permettre de gérer un peu mieux mon inventaire. Je vais aller déverrouiller toutes les portes avec cette clé là, je serai plus tranquille. J'ai plus de place. J'ai plus de place, je prendrai le joyau plus tard. Sûr, par hasard. Ouais, voilà, je m'en doutais. Chiant. Chiant, 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 j'ai plus de place du tout. Chiant, chiant, chiant. Je me souviens qu'à un moment, fut un temps où j'arrivais à gérer. Oh merci. Bah tu sais quoi? J'ai déjà fait pas mal de ménage, je vais aller sauvegarder un coup. Fut un temps où j'arrivais à gérer les dogos à coups de couteau.
Est-ce que je vais encore en être capable, ça? Ça va être un peu plus compliqué. C'est possible, mais compliqué. Hop. Petite sauvegarde. S'il te plaît. Il est profond dans le ventilateur, je trouve sa mère. Il fait pas chaud, il fait lourd, mais c'est l'humidité qui me nique. Passe là, on y va là. Alors, les Doggito. Et là, faut courir contre et... Oh, il m'a bait! Ah d'accord, j'ai perdu. Heureusement, je viens de sauvegarder. Ah! Non, je sais comment on les fait au... Je sais comment on les fait au couteau. Genre, faut essayer de les mettre contre un mur et puis après, tu les enchaînes par terre. Pas facile, mais ça se fait. Quand tu veux le jeu. Voilà. Je me permets, hein. Ta petite. Je sais que je peux le faire au couteau. Je vais les mettre dans un coin. Alors là, je peux pas y arriver. Mais purée! Bon, vas-y, laisse tomber. Je suis pas assez bon pour faire ça. Moi, je suis un pro Souls, pas un pro Resident Evil. Vas-y, sors-moi le flingue. On va fumer du dog. Ça me rend triste, mais bon. Ouais, je sais, je suis bordé. Voilà. Franchement, c'est mieux, non? Y'a pas quelque chose là-dessous. D'accord. Il y a quelque chose dessus. Ouais, des babales. Ah, mon les babales. Alors, le problème là, c'est que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Donc, tout ce qui est healing, je vais pouvoir bien aller me faire voir. On va tout de suite aller là-bas. Là, je sais qu'il y a deux zombies. On va s'en débarrasser. Hein. Trois. C'est pas genre, je sais. Eh mon... Mes balles, là. Mon économie. Oh merde. Mourir.
Toi pareil. S'il te plaît. Oh oui, c'est bon ça. Ok, il est mouru. Ah bah décidément, pour faire des économies de balles dans le jeu. Il faut y aller. Oh, franchement, là, je vois pas où il peut rester des zombies. Oh, j'ai rien loupé. Hop, ça tu vas le ranger, ça on va le garder, ça on va le garder. Ok. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y en avait dessus? Non, il n'y en avait pas. On va aller faire tout de suite cette énigme là. Elle est facile, elle est rapide. Normalement, elle a pas trop changé. Alors, le premier. Donc, il est là-bas. Tableau d'un garçon joyeux. Non. Ça, c'est. Tableau d'un vieil homme chauve. Non. Normalement, c'est le nouveau-né en premier. Tableau d'un bébé. Non. Tableau d'un jeune homme non plus. Bon, bah, c'était là-bas. Là, tableau d'un nouveau-né. Je prends. Ensuite, c'est le bébé. Bébé. Et bon. Ensuite, c'est le garçon joyeux. C'est ok. Ensuite, c'est le jeune homme, il me semble. Tableau d'un homme entre deux âges, non. N'empêche, il a quand même dressé des corbeaux pour qu'il s'attaque quelqu'un. Il s'est trompé. Hein. Le jeune homme, ensuite, c'est l'homme entre deux âges. Et enfin, c'est le vieillard. Ensuite, le vieil homme. Et enfin, la mort. La fin de la vie. Hop. Et sans agrafe, mesdames et messieurs. C'est de la UU Strong and Fix. Voilà, ça m'en fait un ensuite. Bon, ça se speedrun un peu quand même. Hein. Tiens, Flo, j'ai une question. Une question toute simple. Es-tu là? Il n'est pas là, c'est pas grave. Dans le grenier, au moment où il y a le serpent, tu te bats avec et tout. Est-ce qu'il est possible de le tuer ou pas? Ou est-ce qu'il est invincible? Donc c'est possible, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Et si tu le tues dans le grenier, il revient pas après. Genre, tu sais, comme dans le jeu, quand tu reviens, il t'attaque par la cheminée et puis... Il fait un trou dans le sol et tout. Ah d'accord, ça marche. Ah merde, j'ai pas récupéré le... Bon, c'est pas grave. On va aller voir ce qu'il y a.
pas récupérer le props. Ici, on n'aura pas de Chris Sandwich. Ah bah, ça marche. Y'a rien à part shotgun ici. Une tapisserie, rien d'utile. Tu l'as dit, Bouffy. J'aimerais bien stocker un peu de healing là, parce que je suis un peu dans la merde. C'est bien beau d'être avec mon petit couteau et tout, mais... Hop, vas-y, enlève. Ah, elle est toute verte en plus. Qui s'est amusé à me foutre de l'eau pleine vase dans une baignoire dans un manoir? C'est du jus de cornichon en fait. Alors, tu récupères quoi? Une petite clé, merde. C'est gentil, mais j'en ai pas forcément envie, tu vois. Ça me bouffe de la place. Rien d'utile. Je me demande pourquoi ils ont pris la peine de modéliser les chiottes ici. Je sais que dans Resident Evil Remake... Remaster... Il y a un moment, il y a Jill qui court dans les chiottes pour aller dégueuler parce qu'elle a vu un truc dégoûtant. Alors je crois un cadavre dans la baignoire, puis au final, le cadavre, il se relève et tout. Je peux pas stocker le mug. Hop. On viendra ici plus tard. Mais ici, il y a rien de tout ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai de beau à faire, moi? Pour aller tuer la plante, pour aller chercher une clé. On va faire ça. C'est l'amour des détails, ça. Ok. Je vais aller tuer la plante pour récupérer la clé. Du coup, je vais me débarrasser des petites clés que j'ai. En fait, limiter l'inventaire comme ça, ça va être chiant. Parce que je vais devoir faire des allers-retours pour aller chercher tous les heals. Ils sont à droite, à gauche. Notamment dans la salle de la plante où il y en a 50 000. Par là. Mais au moins j'ai tout tué, je suis un peu plus tranquille. J'aurais dû prendre le petit joyau. C'est pas grave. Ça fera qu'un aller-retour en plus. C'est pas trop déterminant. Alors là-dedans c'est du coup. Pour les clés, je la dégage. Bon, ceci. En vrai, on a plus besoin du couteau. Il reste un ou deux zombies, mais je pense que... Ouais, non. Je sais pas trop. Enfin, là, tout de suite, dans l'immédiat, on en a plus besoin. Dans l'immédiat, j'en ai plus besoin. Je crois, j'espère. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va faire plein de petits petits îles. Et plop par terre. Moi, je suis foulu ou pas? Ouais. Franchement, je suis bien. Ouais, ça va être compliqué en fait. Ah, ça va être très compliqué pour tout récupérer.
Va falloir faire un aller-retour. Je vais pas tout pouvoir récupérer. On va faire un aller-retour vite fait. Comme ça, j'aurai une double verte. En même temps, je vais récupérer. Je vais récupérer quoi, moi? Je viens récupérer quoi? Je sais plus. Bon, je vais reprendre une petite clé, je pense. On a une sur moi? Ouais, bah, je vais pas reprendre. D'ailleurs, elle est où Rebecca là? La copinette Rebecca. Hop, tac, tac. Je réfléchis bien. J'essaie de rien oublier pour optimiser le plus. En vrai, Flo, on est d'accord que tu n'as pas fini, tu n'as pas fini Elden Ring. Tu as été arrivé où à peu près? Tu es arrivé où? Je sais plus. Est-ce que tu avais battu Morgoth? Est-ce que t'avais battu Batman alors? Largement. Est-ce que t'avais battu le géant de feu? Alors, faut pas confondre Margit et Morgoth. Margit, c'est la projection de Morgoth. Morgoth, c'est le phénomène, c'est Batman. Morgoth, c'est Batman. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Est-ce que t'étais arrivé à Lake Bale, la grande ville en... La grande ville. Le dernier gros boss que j'ai battu, c'était Général Radan. Ah ouais, t'as rien fait en fait. T'as pas beaucoup joué, on va dire. Que je me disais, Givron n'a pas fini le jeu, tu n'as pas fini le jeu. Organisons une course. Rigolons un petit peu. Une petite course entre vous deux là, pour savoir qui finira en premier. Faut faire parler l'instinct du gamer là. Ça dégage. Ça bouge. Ah, quoique. Est-ce que j'irai pas m'en occuper tout de suite? Ouais, si. Je vais aller m'en occuper tout de suite. Comme ça, j'aurai le shotgun de côté. Ce sera fait. Pourquoi je suis passé par là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête là? De manière incompréhensible, j'ai choisi de prendre le chemin le plus long. Et de faire un aller-retour qui va être inutile en plus. Après, faut que je descende chercher la petite gemme en bas. Et que j'aille chercher le symbole qui est derrière la tête de lion.
On va passer par là. On va essayer quelque chose. Normalement, ça passe. Je m'apprête à faire. Normalement, je passe là. Ah bon ? Ah merde, je pensais que ça allait dégager de mon inventaire. Attends. Voilà. Toujours pas, ça dégage toujours pas, très bien. Quelle porte j'ai oublié d'ouvrir ? Quelle porte est-ce que j'aurais oublié d'ouvrir éventuellement ? Là-bas ? Genre ici ? Ouais. Encore ? Celle du fond là-bas ? Ah, elle est ouverte. Merde, j'ai oublié d'ouvrir quelle porte. D'ailleurs. Juste comme ça, au passage. J'ai pas le briquet. Il est où? Dis Flo, il est où le briquet? C'est pas dans Resident Evil Remake qu'il a le briquet? Dans le remaster? Oh, je l'ai pas là. Un casque gravé, ouais, je vais ça. Quelle porte est-ce que j'ai oublié d'ouvrir? I do not know. Ah, j'ai peut-être mon idée. Il y a une porte, j'ai même pas essayé de l'ouvrir. Mais si ça se trouve, c'est là. Ça se trouve, c'est là-bas. Non, c'est pas là. Merde, je suis pas allé de bon endroit. Attends, bouge pas. Est-ce que ici, c'est ouvert? C'est ouvert. Oh, y a me... Ah si, il y a un trou de serrure. C'est sa mère. Ah, c'est là. Si on va se débarrasser du faux shotgun pour prendre le vrai shotgun. Peut-être j'en serai d'essayer de passer en revue dans ma tête tous les ennemis du jeu pour savoir si j'aurai encore besoin du couteau ou pas. Ah vas-y, fais pas, fais un effort. Voilà. Le couteau. Le couteau, je pourrais m'en servir dans le dans l'autre. L'autre maison là-bas, tout ce qui est en bois, je pourrais m'en servir dans le sous-sol de, du manoir. Ouais. Oui, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais des... il y aura les hunters, du coup je vais sans doute utiliser le lance-grenade si je l'ai débloqué. Ah, c'est vrai, j'ai pas le lance-grenade. Merde. Y a moyen. Non, il n'y a pas moyen. Bon, je vais revenir dans une seconde. Nous disions. J'ai encore ma clé ?
Hey, j'ai les portes là, j'ai tout ouvert. En vrai, qu'est-ce que... Ah, je sais ce que j'ai pas ouvert. Je sais ce que je n'ai pas ouvert. Hop, passe par là. J'ai pas ouvert la deuxième porte au niveau du serpent. Alors pourquoi Krabs a été banni? Je viens de voir, tout à l'heure, en plus il a sorti un truc avec des crabes, j'ai cru que mon auto-mode il avait viré un gros mot, une connerie comme ça, mais non, il m'a banni le mot crabe. Crab. Alors, cartouche, fusil. Pampan, je mets très bien une cartouche, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il a beaucoup de vie, le serpent dans le grenier? Peut-être essayer de le faire fuir. De toute façon, après, il faudra aller chercher du sérum. Alors. J'espère qu'une trentaine de balles suffiront. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait ici non plus. Bon, on va faire le grenier d'abord. C'est le truc le plus dur, après les énigmes elles sont faciles comme tout. Et comme par hasard il n'y a pas le cadavre de l'autre là. On va prendre ça, ça va peut-être m'aider. On sait pas. Ah si, alors. Richard! T'as pas des balles sur toi, Richard? Si. C'est tout? Pas un deuxième chargeur? Non. Et Jill s'est barré avec la radio. Ah non, c'est vrai, c'est pas pareil. Il avait pas de radio sur lui. Faut pas dire les incohérences, tout ça. Oula. Oula. Oula, dégage. Il a vomi! Gros porc. Espèce de dégueulasse. Non, je suis coincé! Je peux mourir, j'ai pas beaucoup de balles. Je crois qu'il est mort. Ah, il est pas mort. Ah, il est mort. C'est fermé? Merde. Alors là, j'ai aucune idée de quelle porte j'ai pas ouvert. Là, il y a quoi? Genre des balles, merci. Je sais vraiment pas quelle porte j'ai pas ouvert. Bon, ici j'ai pas le briquet, du coup ça sert pas à grand chose. Ah mais y a pas de problème, Flo, hein, tu fais ce que tu veux. Bah faudrait que je le trouve. Du coup t'as pas entendu mon excellente idée? Ah. Celle de faire une course entre toi et Giro qui ont tous les deux pas fini le jeu. Oh, vous êtes pas drôle. Je rigole. Mais t'es pas drôle quand même. Bon. Du coup, j'ai une porte que j'ai pas ouverte quelque part. C'était la grande ville. Bah, quand t'arrives à la grande ville, t'as fait... Allez, on va dire 60% du jeu. Quand t'arrives à l'Endale, t'as fait 60% du jeu, je pense. Ça a saoulé Gibbon. Ouais, je sais. C'est triste, hein. C'est triste. Pourtant, hé, franchement... C'est-à-dire que vous avez jamais vu Pharaon Mazula. Pharaon Mazula, c'est le joyau de Elden Ring, pour moi.
Enfin, avant le DLC, bien sûr. Maintenant, dans le DLC, la zone de la flamme exaltée, elle est pas mal. Elle est plutôt jolie. Il y a une belle ambiance qui fait peur et tout. Mais non, Pharaon Mazula, c'est jackpot. Ça veut dire que ma clé, il y a un endroit où je l'ai pas utilisé. Et je sais pas du tout où c'est. Me dis pas que la porte là elle est fermée. Non, c'est bon. Enfin, je sais pas alors. Là, on a un emblème. Plus long encore l'animation. Non, bah je réfléchis là, mais. Je vois pas du tout où j'ai oublié une porte. Enfin, c'est simple, il suffit de regarder le plan. Alors. Bon, je comprends rien. Ouais, le rouge, c'est là où je suis. Celle-là, je peux pas y aller. Celle-là, c'est pas maintenant. Et là, j'ai tout vu. Sauf une à gauche, en haut à gauche, où je peux pas aller tout de suite parce qu'il me faut une autre clé. Une en haut à gauche aussi, où il faut le code. Et à droite, j'y suis pas allé. Quoi ? Ah non, ça, c'est à l'étage. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah je vois pas où est-ce qu'elle peut servir ma clé. La clé armure là. Il y a un bordel sur mon bureau, c'est une dinguerie. Franchement, je me demande comment je fais pour vivre comme ça, on dirait vraiment un porc. Genre, j'ai un carnet pour noter, une canette de coca, une bouteille d'eau, des tubes de doliprane, des médicaments, des papiers où j'ai des trucs. Genre, j'ai des rendez-vous et tout. Il n'y a rien qui va ici. Hop. Hop, ça, je vais le garder au cas où. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, tu rentres. On va prendre. J'ai appuyé sans faire exprès sur un bouton. Prends le blason, s'il te plaît. Je crois que je l'ai mis tout en haut. Voilà. Le blason. On va tout de suite aller faire la. La fameuse scène du piano. Par contre, Rebecca m'a toujours pas rejoint. Hein. Franchement, madame, elle prend son temps. Hein. Alors, la fameuse scène du piano. Est-ce que j'ai pas quelque chose au bar ? Normalement, c'est là où Rebecca elle arrive, c'est ça? Là, faut que j'utilise ça moi-même un coup. Impossible à utiliser ceci. Voilà. Un beau piano à queue. Chris ne sait hélas pas déchiffrer la musique. Thank you.
Et voici Rebecca. It's me, Chris. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Non, c'est le... T'as broussi. Ah, it's the Moonlight Sonata. Ah. Can you play? Can you play? Pam, 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 pam. Ah, elle a fait une fausse note. La galère, hein. Oh, c'est bon, on a compris que tu galères à jouer. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Allez, vas-y. See? Just relax. Je me demande ce qui se passe si je lui dis non. All right. Genre, j'ai jamais le truc qui est derrière le... Bon, allez, tiens. Vas-y, attends. Quand j'aime bien ce qu'ils ont fait, le fait que... Genre, tu l'entends qu'il joue. Bon, alors maintenant, où je peux aller, moi? Ah, bah oui! Bah oui, bah ça m'arrange pas, ça, Madame Rebecca. Dépêche-toi de finir de jouer, là. Je veux vérifier un truc. Je vais me mettre à côté d'elle. Ah. Allez, on va faire un truc. Au bout d'un moment, elle va pas devenir meilleure. Bon bah je crois qu'elle devient pas meilleure quand je suis là. Je lui mets le track. Je rappelle un peu trop son belay. Le fameux belay. Ah bah ça y est. Ah non. Bon, on va aller résoudre une énigme ou deux. Il me reste encore l'énigme des armures au premier étage. Et après ça, bah, je sais pas. J'ai du mal à rappeler ce que j'ai loupé en fait. Rappeler ce que j'ai loupé par rapport au 1. Je trouve que la route de Chris est quand même un peu plus complexe que celle de Jill. Après, c'est juste une opinion. Hein, mais... Hop là. Vous m'avez dit quelque chose de spécial ici ou pas? Pas du tout, j'ai failli marcher sur le bouton. Voilà. Non, 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 non. Merde, j'ai loupé. Voilà. Vas-y, presse le button. Et un emblème. Alors, c'est sympa. Mais je commence à avoir trop de trucs. Il serait grand temps que je me débarrasse de ma petite clé là. S'il vous plaît. Je sais pas où m'en débarrasser. Ah si, je sais où m'en débarrasser, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vite, 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 vite. Je sais où je suis pas allé. C'est.
À tous les coups, elle ouvre une des deux portes. Ah! J'aurais dû prendre mon couteau. C'est bon. Alors, à tous les coups, tu ouvres ici. Pas du tout. Ça va être compliqué, j'ai plus de place dans mon inventaire. Oh bah tu dois ouvrir en face, non? Non, j'ai l'air con. Alors j'ai l'air con, certes, mais il y a de la plante. Le briquet! Ben. Ah, ça, je suis pas venu ici avec Jill. Je suis carrément passé à côté du briquet. Bon, faut que je me débarrasse un peu de mes items là. Ah, je crois que je sais à quoi elle sert cette la dernière. Où est-ce la dernière porte? C'est dans le hall. J'irai après. Oh, c'est long. Écris plus vite là. Oh, il va être 7h, en vrai j'ai commencé à 1h30, je pense que je vais arrêter. Ça fait une petite heure et demie qu'on joue. J'aimerais finir le premier manoir. Histoire d'avoir vraiment du progress. J'aimerais au moins finir le premier manoir pour avoir du progress. Bon, le deuxième, comment j'appelle ça, moi? Comment on va appeler ça? On va dire le secondaire. Les chalets, voilà. J'avais appelé ça les chalets. Ils sont pas loin à faire. Franchement, ouais. Si, il y a quelques allers-retours, mais sans plus, quoi. Et après, le reste, ça va plutôt vite. Alors, montre un peu. Merde, j'ai loupé. Faut que je rentre et que je ressorte. Voilà. Déjà dans la poche, normalement il y a des rubans, c'est ça? J'en ai besoin. J'ai plus de sauvegarde, quasiment plus. Ensuite. Ah d'accord. En fait c'est vraiment par là. Très bien. Puis sur le bâtard. Les chasses d'eau. Là. Est-ce que par hasard, rien de spécial? Vraiment? Testament du chercheur, on l'avait déjà lu. C'est bien rangé, d'accord, pas de balles. Ici, c'est tout? Non. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai pas fait ça que pour des balles. On doit refaire un aller-retour un peu chiant. Pas prendre un sac à dos pour aller en expédition, hein. C'était trop demandé. Donne-moi ça. Ça. Hop, ça. On se regardera après. Hein. Là, on va bientôt terminer, alors on sauvegardera avant de finir. J'ai fait pas mal de trucs, je vais sauvegarder un coup quand même. J'ai pas envie de tout perdre. Contre un serpent de main. Allez, plus vite.
Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je ne crois pas. On verra plus tard pour le reste. Bon, on va aller chercher le briquet. Il va servir à deux endroits, je crois. Pas plus. Mais bon. Moi, il sert. Hop, donne-moi ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose là sur les coins? Voilà. Les relous. Bon, une plante rouge, je pense qu'on va laisser là. Sauf si éventuellement je repasse vite fait par là, mais... Flemme. Autrement, flemme. On va retourner voir Rebecca. Je pense que le serpent a juste le dernier emblème dont j'ai besoin et après c'est fini. Là. Là. Mes gros sabots. Mes gros sabots de poney. Allez, encore un aller-retour. Ça, je vais le garder. Je mets le blason à la place. Alors, je suis full, certes. Je vais me débarrasser de la clé, je pense. Et je vais aussi me débarrasser du blason, donc. Alors j'aurais éventuellement pu ranger vite fait le briquet, mais bon, ça repart à grand chose. Fatiguez-moi. Belle journée de stream, je sais pas combien je suis, je dois être à 5 ou 6 heures. Alors, cette petite porte. Dis-moi que tu t'ouvres avec ça. Et dis-moi qu'on la jette. Voilà. Ça dégage. Je veux plus en entendre parler. Maintenant, par là-bas. Donc le tigre, j'ai déjà fait. On va aller chercher la fameuse sonate du clair de lune, là. Ah, elle a pas fini? Non. J'ai vraiment besoin que tu finisses, hein. Ah, voilà. Yes. Vas-y. Joue pour moi. Tu vas très vite, hein. Oh, that was great. Sachant qu'ils savaient pas. What is that? Elle a quand même pris son temps pour réviser du piano dans un manoir plein de zombies. Hein. Donc je prends. Chris, no! Oh, c'est pas quoi si je fais ça. Ah d'accord. Elle réagit même pas. Elle a pas peur pour moi, rien.
Are you okay? I'm all right. Chris, are you all right? C'est tout? Bon bah on y va, hein. On décolle, ma grande. Bon, ils ont légèrement foiré les PNJ, je trouve. Mais c'est pas grave. Donc là, on va se débarrasser du blason. On va récupérer un emblème. Ding, ding. Ah zut. Ah non, une clé, pardon, pas un emblème. Ah bah voilà, nickel, clé dont on va se débarrasser quasiment tout de suite. Enfin, j'espère. Je me permets. Hein. Il est tard et j'aimerais arrêter. Oh, Sakuniwa, comment ça va? Ah bon. Petit problème de bouton qui est en train de pousser sur mon visage. Là. Juste sur ma lèvre, c'est génial. Ça m'étonne que lui, il se relève pas. Je crois que dans le jeu de base, dans le remake, il se relève. Le remaster, putain. C'est ma meilleure journée, je crois. Oh! À cause d'Akinator? Waouh. Je rigole. Bah en vrai, ce sera possible. Moi aussi, j'aimerais bien être dans Akinator. Allez, allume. Alors, ensuite, ça bouge. Il semble qu'il y a un ennemi dedans, non? Ah non, il n'y a pas d'ennemi. Juste pour des balles. Eh ben voilà, c'est bien. Tu vois, je t'avais dit, faut pas se fier aux commentaires des rageux. Il y a des gens, c'est des cons. Vas-y, jette la clé, s'il te plaît. Voilà. Il manque un peu de vie, mais ça devrait aller. En une journée, bah voilà, c'est très bien. Attention. Est-ce que je vais réussir à te faire en une photo ou pas? Lâche! Aïe! J'ai loupé. Je suis comment? Poison. Ouais, mais poison orange, ça passe. Poison rouge, ça passe plus. Je suis coincé dans sa queue. Sa grosse queue, là. Là, regardez le petit vis là. Voilà, il s'enfuit. Au moins, je suis empoisonné, mais c'est pas grave. Hop, je prends ça, merci. Il n'est pas assez sur l'écrasant. Ah, ça marche pas. Ah si, ça marche. Salut celui-ci, comment ça va? Celui-ci m'a rendu gay. Ça y est.
On fait aller, écoute, grosse journée, beaucoup de stream. Le SO, le saut. De quoi le saut? De quoi le SO? J'ai oublié quelque chose? La commande. De quoi, pourquoi un SO? Tu veux un SO? Si tu veux. Comment on fait déjà? Exclamation SO, @. Comment on fait? C'est quoi? Non, c'est cute. C'est trop cute. Juste pour mes clips, d'accord, c'est comme tu veux. Ah ouais, bah non, bah ça marchera pas. Parce que celui-ci, elle est pas mise. Mais pardon, mais comment ça, j'ai fait un 3 fois Channel Starlight Rolling Madness 720. Ah, tu t'es fait niquer. Attends, bouge pas. Il est où le SO? Point d'exclamation SO. Je sais qu'elle existe. Elle existe sur cette page, icône de mort, les SO. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai toutes mes images Resident Evil que j'ai superposées par-dessus. Donc là, si je fais ça, et que je fais point d'exclamation SO, @ cute, celui-ci. Ça marche mieux, n'est-ce pas? Oh, couze! Oh, couze! Eh, frérot! Frère, mon jeu! Frère! Mais... Hey. Mais mon jeu! Mais non, mais... Allez, t'as mais perdu. Non, mais je... Mais non. On voit juste que t'es mauvais au poker. Hey. D'ailleurs, @le+v2, parce que tout à l'heure, il a fait le machin. Le petit, voilà. J'ai envoyé très très loin pour aller taper ma boule et la rentrer dans le trou. C'est tout. Il a tapé sa boule, il l'a rentré dans le trou. Et maintenant, je suis homosexuel à cause de vous. Bonjour. Chris, no. Am I poisoned? Non, c'est bon. Il y a des cinématiques et tout là. I'm sure the serum must be there. I'll be right back. Après. On fait des SO. Là, je vais bientôt arrêter le stream parce qu'il est temps. On fera une série de SO à la fin. Pour tous les streamers qui sont dans le chat, manifestez-vous. Sachant que Flo étant le streamer le plus massif de toute ma communauté. Le problème, c'est que tu vois, je regarde dans mon chat, j'en connais. Attendez. Je vais faire ça, je vais voir si je fais ça. Attention, je prends les murs. Voilà, donc je vois. Ah, il y en a quand même 2-3. Je vois Alex the Fox, je vois Barchi, je vois Q, je vois celui-ci. Je vois Jiku, je vois Le Plus, je vois Speedcraft, Turbo Yo-Yo. Toriko, il stream ou pas? Est-ce que Toriko, il stream? Est-ce que c'est un streamer? Bah, Veldar, je suis pas sûr. Et Willy Lover, je suis pas sûr. Je vais faire les gens dont je suis sûr. Que je vais devoir me taper un aller-retour ou pas? Et en plus, il y a les streamrunners qui arrivent. Bah, c'est parfait. Allez, donne-moi ça. On récupère le sérum. Et d'ailleurs, question, est-ce qu'elle a accès à mon coffre ou pas? Elle a pas accès au coffre. C'est dommage. On finit d'ici 5-10 minutes. Promis. Donc je ramène le sérum. On soigne Chris. Il y a la scène un peu romantique. Où ils vont se regarder les yeux dans les yeux. Sans oser s'embrasser. On sauvegarde. Et on fait une séquence SO. Les pixels dans les pixels. Exactement. Ah, avant ça, il y aura aussi la séquence bingo, que je dois montrer aussi. On fera la séquence bingo. A savoir que je suis en train de regarder pour un bingo Minecraft. Ah, bingo ? Le problème avec le bingo Minecraft, c'est qu'il faut la même site pour tout le monde.
Mais ouais, faudrait que je trouve un moyen de créer une espèce de forme. Oh non, il est mort! Bon bah pas de pixels dans les pixels. Ah dommage, j'aurais préféré mort. Pardon. You alright? You alright? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah, my head is killing me. En vrai, tu disais Flo. I think you will be all right because I gave you a shot. But please be careful. You saved my life. Non, Charlie a dit, t'as raison. Tu me disais il y avait des aberrations au niveau des dialogues au doublage, mais ouais, t'as raison. J'étais bien, avait pas tant que ça, mais. I'm glad I could help. Bon allez, on va sauvegarder. Alors, faut que je vérifie qu'il n'y a rien d'un peu bizarre à vous montrer. Parce que là, tu vois, si j'affiche mon écran et derrière, il y a des trucs un peu pas très autorisés sur Twitch, ça va être compliqué. Faut que je vérifie avant de faire n'importe quoi. J'ai quoi sur Opera? Bon, ça c'est du code, c'est pas grave. Ça c'est mon Telegram. Ouais, c'est pas grave. Enfin, Lancelot serait pas. Des poneys à poil. Des poneys avec des poils. On appelle ça de la fourrure. On appelle ça un pelage. Une robe. Je suis Fluffy. Tu peux pas être Fluffy, tu n'es pas un Pégase. Tout le monde sait que les fluffs sont des Pégases. Alors, j'ai quoi sur moi? Les poneys. Oui! Mais tu n'es pas un Pégase, tu ne peux pas être Fluffy, voyons. Les chanfreins. Les chanfreins, c'est quoi les chanfreins? C'est quoi un chanfrein? C'est quoi un chanfrein sur un poney? Bien. Donc Resident Evil fini pour ce soir. Nous allons profiter de cette petite aparté pour montrer les bingos, partie de la tête du chat qui va du front au naseau. D'accord, c'est comme pour les animaux. Donc là, je vais sur Streamlabs. Je vais dans le jeu. Mais plutôt que vous afficher le jeu. Oh la vache, ça déconne un peu. Je cache, comme ça vous voyez Opera. Y'a rien de bizarre sur Opera, parfait. On va sur Bingo Sync. Voilà. Et là on arrive sur ce truc. Donc, on peut créer une room. N'importe qui peut le faire. C'est gratuit, c'est open source, voilà. Password, je vais pas en mettre. Voilà, Tida. Flo, si t'es encore là, c'est le moment pour regarder pour les bingos. Là, vous voyez, on a une liste de jeux. Donc, il y a une liste de jeux, voilà. Sarah Dalmatien, Atto, Azure Dream, Crash Bandicoot, Darkest Dungeon. Non, il n'y a pas du poney. Je pense pas. Il n'y a pas du poney. C'est qui... Enfin, voilà, il y a plein de jeux. Et il y a Custom. Si vous voulez jouer entre vous, par exemple, nous allons prendre... un jeu que je connais bien, Minecraft. Vous choisissez la version disponible. Moi, je préfère la 1.9. Il y a deux modes de jeu. Peggle. C'est quoi Peggle? Bref, on va rester sur Minecraft. Locut et non Locut. En non Locut. Il faut que je mette un passeform. 1, 2, 3. Moi aussi, j'aime bien les jeux de boules. Voilà. Si vous avez un jeu déjà choisi, vous pouvez le faire, ils vont vous préparer ceci. Donc c'est des objectifs dans Minecraft. Voilà. Et le but c'est de faire la course avec d'autres joueurs. Et par exemple, quand vous réussissez, vous pouvez faire ça. Donc les règles en non-lockout, c'est que le premier qui a fait tout son carton a gagné. Maintenant, on lookout, c'est autre chose. On lookout. Moi, si je suis purple,
Un autre joueur qui est raid ne pourra pas piocher ma case. Ça marche comme ça. Voilà, et on peut pas. Et le but, c'est de faire soit une ligne, comme ça, ou alors la majorité, c'est-à-dire 13 points. C'est très simple. Et là, c'est pour un jeu déjà fait, mais si vous avez une liste à vous-même, vous pouvez la rentrer ici. C'est quoi en point d'interrogation? De quoi? Les quatre coins? Non, les quatre coins, c'est pas des bonus. C'est la majorité. Genre, c'est... Il y a ligne, il y a colonne, et la majorité, c'est 13 cases pour toi. En diagonale, ça marche pas. Et, par exemple, alors... Ça s'appelle un bingo parce que c'est organisé sur un carton. Attendez, alors, avant de vous montrer des dingueries. Là, on voit mes fichiers. Est-ce que j'ai des trucs? Attendez, je vérifie. Où j'ai mis... Voilà. On voit des dingueries, voilà. Là, par exemple, c'est un bingo Minecraft. C'est une liste de bingo Minecraft que j'ai créée. Je peux la prendre. Je la copie-colle. Attends. Voilà, je la prends, je la colle. CTRL-C. Tac. Tu me passes de JSON. Pourquoi est-ce que t'as pas marché? À cause de ça, je crois. Un, deux, trois. Merde, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi faut que ça marche pas quand je fais quand je suis en live, hein? Ça marche tout le temps normalement. Ah, fais chier. Pourquoi CTRL A? Ça fait quoi? Ah ouais. Non, je sais pas pourquoi ça marche, mais en gros, ça marche pas, mais en gros, hop, je dis ça une minute. Allez, on repart sur la ligne 29. Ah, c'est parce que j'ai mis une virgule à la fin, ouais. Comme c'est la dernière ligne, il faut pas de... Voilà. En gros, vous mettez une virgule quand vous créez un nouvel objectif. Il faut exactement... 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Eh, ça commence à me chauffer. Erreur passe 32 points. Bah ouais, bah forcément, il reste une virgule en bas. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, j'essaie de le présenter. T'es un malin, celui-ci, toi. Voilà. Et vous pouvez faire vos propres objectifs et puis choisir dedans. Et après, vous pouvez jouer comme vous voulez avec vos amis. Voilà. Du coup, je cherche des gens. J'ai glissé, chef. Exactement, une belle glissade, j'ai failli me casser le nez. Du coup, je vais chercher des gens pour jouer à des bingos, surtout sur Elden Ring. Voire peut-être sur du Minecraft. À voir. Attends, non, je vais pas d'afficher mon Discord quand même. Non, ça marche pas. Ah, vous voyez pas le Discord? Vous voyez pas les saloperies j'ai? C'est bon, ça a pas été leak. On est sauvé. Merci le mode modérateur. Le mode streamer. Voilà. Et maintenant, comme promis à la fin, on va faire séquence de... Attendez. De quoi? Qu'est-ce qui est possible? Comment c'est pas possible? Si c'est possible avec la carte, oui. Ah merde. Ah, t'aurais bien aimé voir mon Discord, là. Eh ben non. Eh ben non. Alors. Esso. On va essayer ça déjà pour voir si ça a un peu marché.
Ça marche pas, il a de la chance. Alex the Fox. 3-3-3-0. Petite séance de SO. Alors, dites-moi. Pourquoi on n'a pas l'image? Ah si. Alors... Ah, ça va reparler de cul, à l'aide. Plus c'est long, plus c'est bon. D'accord, si tu le dis, Bébou. Ça va reparler de cul, à l'aide. Alors... Ensuite... Esso Amaro. Parce que je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que lui, il l'est. Amaro. Husky. Même si je suis pas sûr. Ça a l'air de pas être le cas. Esso Barchi, ça j'en suis sûr. D'ailleurs, il est... Un Kumu ? Ça va ou quoi les mecs ? Ouais, ça va et toi ? C'est fou ici, je suis un peu de retard. Très bien. T'inquiète. C'est quoi ici ? Du coup... Toi aussi t'es en prison. Bon. Ah, Gigi ! Ravi de... Ça fait le malin, ça disparaît. Ah putain ! RNG, il a fait pop ! Tu vois, il peut quoi se faire ? Allez, c'est... Attention. @ Esso le cute. Mais pardon, mais comment ça j'ai fait un 3 fois Channel Starlight Rolling Madness 720. Aïe aïe aïe. Ah, il sait pas conduire, à l'aide. Mais le même là. De quoi le même? Jiku Toki. T'as pas un autre clip. J'en ai déjà mis 3 aussi. Il y a une longue liste à faire. Hein. Oh, sur Dark Souls 3. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il va prendre un karma dans 2 secondes. Oh, ça va sauver, sauver. Qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi, mais le tiré du 8 plus tiré du 8. Je sais pas ce que c'était le clip, c'est pas grave. Et sur le plus V2. Compris, Clara. On évite les surprises. Pour les guerriers Eros, être surpris, merde. C'est signé sur la récompense. Y'a rien du tout. Ah. Il est pas très stealth. Il est pas très fort dans les jeux vidéo. C'est pas grave. Omégatron, je sais pas. Esso, le Speedcraft. Speedcraft TV. Esso. Oh, je reconnais cette musique. Oh, trop bien ce jeu. Bah, Newman. Non. Newman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non. Newman, putain, merci. Ah, Newman. Je crois que tu lui as fait un gros don. Voyons, fallait pas. Putain. Ah, non. C'est mignon. C'est gentil. J'ai même pas vu la notif, mais je vois en haut à gauche, là, ou en haut à droite, c'est dernière donation. Putain, mais Newman. Attends. Pourquoi t'as fait ça? Attendez. Flo, j'ai passé 5 minutes à expliquer le bingo, t'étais pas là. Merci. On finit les SO. SO Toriko. Si j'étais à moitié là, bah voilà, t'as à moitié écouté. Oh, Toriko, il est streamer. Je savais pas, il joue à Pokémon. Ouais, c'est ça. Mais nous, on va jouer avec des grilles déjà faites parce que... Genre, le point pour parade 5 fois Margit, c'est bon. Ah, je savais pas que Toriko il était streamer. Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qui ressemble à quoi? Ma grille personnalisée, elle est pas encore faite. Et voilà, on a passé tout le monde en SO.
Tout le monde il est content. Bah, tu la vois là derrière, ça ressemble un peu à ça. Et tu vois, je peux cocher. Et s'il y a une autre équipe, bah il pourra cocher aussi. En gros, c'est une room. Avec un mot de passe et tout. Bon alors, qui stream? Qui stream? Il y a Happy Scale, on l'arrête il y a pas longtemps. On va aller chez Alex The Fod, ça fait longtemps. En plus, je crois que Limbo, c'est un très bon jeu. Ctrl-C. Flash Red. Alex The Fox. Attention, c'est une chaîne pour adultes. Voilà. Si vous y allez, 70% du temps, ça parlera cul. Mais il est gentil comme tout. Donc un grand merci. Attention, on va lire quand même les machins. Un grand merci aux nouveaux followers. À savoir Bowser Wolf. Et un grand merci à Plus pour son raid. Et on se retrouvera une prochaine fois. Pour un prochain live sur Resident Evil et peut-être Hollow Knight. Ciao et à la prochaine. Bye bye, bonne soirée.